Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, bonjour ou rebonjour à ceux qui ont suivi le début de cette journée du Saint-Père en Slovaquie. Le pape qui a été reçu il y a quelques minutes par la présidente slovaque Zuzana Čaputová pour un entretien au palais présidentiel et ensuite un discours devant les autorités civiles et le corps diplomatique accrédité auprès de la République slovaque. Deuxième étape maintenant du pape en Slovaquie en cette journée du lundi. Le pape reçu à la cathédrale de Bratislava, la cathédrale Saint-Martin. Cathédrale donc qui porte le nom d'un saint français, Saint-Martin de Tours, fêté le 11 novembre. Une fête malheureusement un petit peu éclipsée par la commémoration de l'armistice habituellement, mais un saint dont on voit le rayonnement à travers toute l'Europe, puisque donc c'est le nom qui a été attribué à cette cathédrale de la capitale slovaque. Le pape actuellement est en conversation avec l'archevêque de Bratislava qui l'accueille en sa cathédrale donc pour cette rencontre avec les évêques, les prêtres religieux, séminaristes et catéchistes de Slovaquie. Et vous voyez peut-être à l'image ou vous entendez peut-être la chaleur de l'accueil de la foule rassemblée devant la Slovaquie. Il fait un soleil radieux aujourd'hui et on sent vraiment beaucoup de bonne humeur, beaucoup de fierté pour ce petit pays d'Europe centrale d'accueillir le pape François pour un voyage d'autant plus assez ample et long puisqu'il s'étalera jusqu'à mercredi. Ce voyage avait commencé hier par une rencontre œcuménique à l'Annonciature de Bratislava. Le pape avait rencontré les délégués du Conseil œcuménique des Églises de Slovaquie en les invitant à renouer avec l'ardeur de l'annonce et la prophétie du témoignage. Le pape s'était réjoui de voir que la foi chrétienne est germe d'unité et levain de fraternité. Le pape a évoqué la libération progressive du communisme et le rétablissement de la liberté religieuse dans ce territoire qui faisait alors partie de la Tchécoslovaquie et qui a pris son indépendance en 1993. Et vous entendez les applaudissements, le pape François arrive dans la cathédrale de Bratislava, accompagné donc par l'archevêque de la capitale slovaque. Saint-Père qui a reçu des mains d'une religieuse un bouquet de fleurs jaune et blanche aux couleurs du Vatican qu'il a déposé devant la Vierge à l'enfant. Un pape très marial, on le sait, qui se rend dans un pays très marial également. La Slovaquie fait partie des pays les plus catholiques d'Europe avec la Lituanie et la Pologne. La Slovaquie présente un paysage religieux assez différent de la République tchèque, un pays dont elle s'est scindée en 1993. République tchèque, pays marqué par un très fort taux d'athéisme, une très forte sécularisation, alors que la Slovaquie, elle, a gardé un ancrage catholique, un ancrage religieux assez profond. Et nous allons maintenant écouter le mot d'accueil de l'archevêque de Bratislava, Mgr
Solensky. Sainteté, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette cathédrale Saint-Martin de Bratislava. C'est un grand honneur et une grande joie pour nous tous, évêques, prêtres, diacres, consacrés, catéchistes, que vous veniez au milieu de nous, notre Saint-Père, pour nous encourager avec votre présence et pour nous renforcer dans la foi. Nos cœurs tremblent d'émotion, comme au moment où, où Saint Jean-Paul II, il y a 18 ans, avait fait son entrée dans cette cathédrale. Tu es pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes des enfers ne prévaudront pas contre elle. Ces paroles du Christ, que nous connaissons bien, parce que nous les avons entendues de nombreuses fois, aujourd'hui, elles résonnent plus clairement. Nous en percevons plus facilement le sens, car aujourd'hui nous avons Pierre parmi nous. Parce qu'avec vous et en vous, sainteté, en cette cathédrale, nous accueillons le vicaire du Christ, le successeur de Saint-Pierre. C'est pour nous une visite très importante, joyeusement attendue. Votre présence nous fait comprendre l'universalité et l'unité de la Mère Église. Et elle nous fait comprendre mieux qu'aussi, à notre époque, le Seigneur Dieu choisit un chef des apôtres et lui confie les clés du royaume. Les Slovaques ont toujours aimé et respecté le Saint-Père, et ils aiment et respectent le pape François. Nous, chaque jour, nous demandons l'aide de Dieu pour vous, en priant et aussi en chantant. Nous cherchons toujours à connaître et à bien comprendre ce que Pierre nous dit aujourd'hui. Voici pourquoi nous sommes très heureux que vous soyez avec nous en personne, et ainsi nous serons en mesure d'écouter vos paroles de près. Je suis certain que cette expérience nous aidera à donner un meilleur témoignage de l'Evangelii Gaudium, de la joie de l'Évangile, dans le monde d'aujourd'hui. Oui, Saint-Père, depuis cette première exhortation apostolique que vous nous avez écrite à nous tous, nous percevons votre amour pour les pauvres, pour ceux qui se trouvent aux périphéries, ceux qui sont restés en retrait, abandonnés, écartés. C'est justement dans cette perspective que nous, d'une façon nouvelle, nous cherchons à penser aux exemples de nos saints, comme Saint Martin, patron de cette cathédrale, qui n'a pas hésité à partager son manteau avec un pauvre, même si lui-même n'avait pas grand-chose pour se protéger du froid. Et c'est en ce pauvre que Saint Martin a rencontré le Christ. Nous sommes ici, aujourd'hui, avec vous, Saint-Père, comme représentants des consacrés et aussi des laïcs, annonciateurs de l'Évangile. À cause des circonstances, nous ne pouvons pas être tous réunis. Naturellement, un nombre beaucoup plus important aurait désiré vous rencontrer. Nous sommes venus ici, naturellement, aussi avec nos faiblesses, nos défauts, nos imperfections. Mais nous sommes ici surtout comme des enfants qui écoutent les paroles du Père. Nous vous souhaitons un bienvenu cordial, Saint-Père, au milieu de nous, que vous vous sentiez chez vous, au milieu de nous tous. Voilà donc pour ces mots de Mgr Zvolenský, l'archevêque de Bratislava.
qui a montré la convergence, l'harmonie entre l'épiscopat slovaque et l'Église de Slovaquie et les enseignements du pape François, qui sont suivis avec beaucoup d'attention dans cette terre d'Europe centrale, que le pape donc honore de sa visite pendant ces 3 journées. Voilà, le pape François va maintenant prendre la parole. Il signale qu'il n'a pas besoin de table. Voilà, donc le pape François prend la parole en italien. Chers frères évêques, chers prêtres religieux, religieuses et séminaristes, chers catéchistes, frères et sœurs, bonjour. Je vous salue avec joie et je remercie Mgr Stanislav Zolensky pour les paroles qu'il m'a adressées. Merci de m'inviter à me sentir chez vous. Je viens comme un frère, comme votre frère, et je me sens comme l'un des vôtres. Je suis ici pour partager votre cheminement, vos questions. Je suis ici pour partager votre cheminement, vos questions, les attentes et les espérances de cette Église et de ce pays. Le pape improvise, je viens de dire à la présidente que la Slovaquie est une poésie. Et partager, c'était le style de la première communauté chrétienne. Ils étaient assidus et unanimes. Ils marchaient ensemble et ils se disputaient aussi, mais ils marchaient ensemble. Ah, scusate, mi pensavo che il traduttore doveva farlo. Voilà, le pape qui sort un petit peu de son texte. C'est la première chose dont nous avons besoin, une Église qui marche ensemble, qui parcourt les routes de la vie avec le flambeau de l'Évangile allumé. L'Église n'est pas une forteresse, n'est pas une puissance, n'est pas un château situé en hauteur qui regarderait le monde avec distance et suffisance. Ici, à Bratislava, le château est déjà là et il est très beau. Mais l'Église, c'est la communauté qui désire attirer au Christ par la joie de l'Évangile, et non pas le château, mais le levain qui fait fermenter le royaume de l'amour et de la paix dans la pâte du monde. S'il vous plaît, ne cédons pas à la tentation de la magnificence, de la grandeur mondaine. L'Église doit être humble comme Jésus, qui s'est dépouillé de tout, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est ainsi qu'il est venu habiter parmi nous et guérir notre humanité blessée. Quelle est belle une Église humble qui ne se sépare pas du monde et qui ne regarde pas la vie avec distance, mais qui y habite. Habiter à l'intérieur, ne l'oublions pas, partager, marcher ensemble, accueillir les questions et les attentes des personnes. Cela nous aide à sortir de l'autoréférentialité. Le centre de l'Église, c'est quoi le centre de l'Église? Ce n'est pas l'Église. Quand l'Église se regarde elle-même, elle finit comme la femme de l'Évangile, recourbée sur elle-même, elle se regarde le nombril.
Et la chiesa, l'église, il centro della chiesa non è se stessa. Le centre de l'église n'est pas l'église elle-même. Sortons de l'inquiétude excessive pour nous-mêmes, pour nos structures, pour la façon dont la société sympathise avec nous. Car ceci à la fin nous mènerait une théologie du maquillage. Plongeons-nous plutôt dans la vie réelle des gens et demandons-nous quels sont les besoins et les attentes spirituelles de notre peuple. Qu'attend-on de l'Église? Il me semble important d'essayer de répondre à ces questions et je pense à trois mots. Le premier, c'est liberté. Sans liberté, il n'y a pas de véritable humanité, parce que l'être humain a été créé libre pour être libre. Les périodes dramatiques de l'histoire de votre pays sont un grand enseignement. Lorsque la liberté a été blessée, violée et éliminée, l'humanité a été dégradée. Et les tempêtes de la violence, de la coercition et de la privation des droits se sont déchaînées. Mais en même temps, la liberté n'est pas une conquête automatique qui demeure une fois pour toutes. La liberté est toujours un chemin, parfois pénible, à renouveler continuellement. Liberté se renouvelle chaque jour. Il ne suffit pas d'être libre extérieurement ou à travers les structures de la société pour l'être vraiment. La liberté appelle directement à la responsabilité des choix, à discerner, à faire avancer les processus de la vie. Et cela est difficile et nous fait peur. Il est parfois plus commode de ne pas se laisser provoquer par les situations concrètes et de continuer à répéter le passé, sans y mettre le cœur, sans le risque du choix. Mieux vaudrait passer sa vie en faisant ce que d'autres, peut-être la masse ou l'opinion publique, les choses qui arrivent dans les médias, ce serait plus facile qu'eux décident pour nous. Mais ça ne va pas, ça. Et aujourd'hui, souvent, nous faisons ce que les médias décident. Et on perd la liberté. Souvenons-nous de l'histoire du peuple d'Israël. Il souffrait sous la tyrannie du Pharaon. Il était esclave. Il est ensuite libéré par le Seigneur, mais pour devenir vraiment libre, pas seulement délivré de ses ennemis, il doit traverser le désert, un chemin pénible. Et il lui arrivait de penser, c'était presque mieux avant. Au moins, on avait un peu d'oignon à manger. C'est une grande tentation. Mieux vaudrait un peu d'oignon que la fatigue et le risque de la liberté. Ça, c'est une des tentations. Hier, en parlant au groupe écuménique, je me souvenais de ce que Dostoïevski avait écrit avec le grand inquisiteur. Le Christ revient sur la terre en étant caché et l'inquisiteur le dénonce, le critique, pour avoir donné la liberté aux hommes. Un peu de pain, quelque chose. Et ça suffit, allez. C'est toujours une tentation. La tentation des oignons. Bon, de penser qu'on est mieux avec un peu d'oignons et de pain que
que dans la, qu'avec la fatigue et la liberté. Je vous laisse penser à ça, je vous laisse réfléchir à ça. Parfois, même dans l'Église, cette idée peut faire son chemin. Mieux vaudrait avoir toutes les choses prédéfinies, des lois observées, la sécurité et l'uniformité, plutôt que d'être des chrétiens responsables et adultes qui pensent, interrogent leur conscience et se remettent en cause. C'est le début de la casuistique. Dans la vie spirituelle et ecclésiale, la tentation existe de chercher une fausse paix qui nous laisse tranquilles, plutôt que le feu de l'Évangile qui nous inquiète et nous transforme. Les oignons assurés d'Égypte sont plus commodes que les incertitudes du désert. Mais une Église qui ne laisse pas de place à l'aventure de la liberté, même dans la vie spirituelle, risque de devenir un lieu rigide et fermé. Certains sont peut-être habitués à ça, mais bien d'autres, surtout parmi les nouvelles générations, ne sont pas attirés par une proposition de foi qui ne leur laisse pas de liberté intérieure. Ne sont pas attirés par une église où il faut penser tous de la même manière et obéir aveuglément. Chers amis, n'ayez pas peur de former les personnes à une relation mûre et libre avec Dieu. Ça, c'est important, ce type de rapport. Cela nous donnera peut-être l'impression de ne pas pouvoir tout contrôler, de perdre de la force et de l'autorité, mais l'Église du Christ ne veut pas dominer les consciences ni occuper les espaces. Elle veut être une fontaine d'espérance dans la vie des personnes. C'est un risque, c'est un défi. Je le dis surtout aux pasteurs. Vous exercez votre ministère dans un pays où beaucoup de choses ont changé rapidement et où de nombreux processus démocratiques ont été engagés, mais la liberté est encore fragile. Elle l'est surtout dans le cœur et dans l'esprit des personnes. C'est pourquoi je vous encourage à les faire grandir, libre d'une religiosité rigide. Qu'ils puissent grandir en étant libres, que personne ne se sente écrasé, que chacun puisse découvrir la liberté de l'Évangile en entrant graduellement dans la relation avec Dieu, avec la confiance de celui qui sait que devant lui, il peut porter son histoire et ses blessures sans peur et sans faux-semblant, sans se soucier de défendre sa propre image, en pouvant dire « je suis pécheur », mais de façon sincère, pas de façon purement formelle. Que l'annonce de l'Évangile soit libératrice, jamais écrasante, et que l'Église soit signe de liberté et d'accueil. Moi, je suis sûr. Alors, le pape raconte une anecdote. Le pape a reçu une lettre d'un évêque qui parlait d'un nonce. Il disait: nous avons été pendant 400 ans sous la dépendance des Turcs, nous avons souffert. Ensuite, 50 ans sous le communisme, et nous avons souffert. Mais pendant 7 ans, avec ce nonce, ça a été pire que durant les deux autres périodes. Parfois, je me demande combien de gens peuvent dire la même chose de l'évêque ou du curé. Combien de gens, sans liberté, sans paternité, les choses ne vont pas. Donc, première parole, la liberté.
Deuxième parole, la créativité. Vous êtes les fils d'une grande tradition. Votre expérience religieuse trouve sa source dans la prédication et le ministère des figures lumineuses des saints Cyrille et Méthode. Ceci nous enseigne que l'évangélisation n'est jamais une simple répétition du passé. La joie de l'Évangile, c'est toujours le Christ. Mais les voies qui permettent à cette bonne nouvelle de se frayer un chemin dans le temps et dans l'histoire sont diverses. Cyrille et Méthode ont parcouru ensemble cette partie du continent européen et, brûlant de passion pour l'annonce de l'Évangile, ils sont arrivés à inventer un nouvel alphabet pour traduire la Bible, les textes liturgiques et la doctrine chrétienne. C'est ainsi qu'ils sont devenus des apôtres de l'inculturation et de la foi auprès de vous. Ils furent des inventeurs de nouveaux langages pour transmettre la foi. Ils ont été créatifs dans la traduction du message chrétien. Ils ont été si proches de l'histoire des peuples qu'ils rencontraient, qu'ils ont parlé leur langue et assimilé leur culture. La Slovaquie n'a-t-elle pas encore besoin de cela aujourd'hui? N'est-ce pas là la tâche la plus urgente de l'Église auprès des peuples de l'Europe? Trouver de nouveaux alphabets pour dire la foi? Nous avons en arrière-plan une riche tradition chrétienne, mais pour la vie de nombreuses personnes aujourd'hui, elle reste le souvenir d'un passé qui ne parle plus ni n'oriente plus les choix de l'existence. Face à la perte du sens de Dieu et de la joie de la foi, il ne sert à rien de se lamenter, de se retrancher dans un catholicisme défensif, de juger et d'accuser le monde. La créativité de l'Évangile est nécessaire. Soyons attentifs à cela. Car soyons attentifs à ce que l'Évangile soit ouvert et non pas fermé. Rappelons-nous de ce que firent ces hommes qui voulaient apporter un paralysé devant Jésus et qui ne réussissaient pas à passer par la porte d'entrée. Ils ouvrirent une brèche sur le toit et le descendirent d'en haut. Ils furent créatifs. Ils ont vu une difficulté, ils se sont dit on va faire ça. Devant peut-être une génération qui ne nous croit pas, qui a perdu le sens de la foi ou qui a réduit la foi à une habitude, à une culture plus ou moins acceptable. Essayons d'ouvrir une brèche. Soyons créatifs. La liberté et la créativité. Qu'il est beau de savoir trouver des voies, des façons et des langages nouveaux pour annoncer l'Évangile. Et nous pouvons aider avec la créativité humaine. Chacun de nous a cette possibilité. Mais le plus grand créatif, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui nous pousse à être créatifs. Si par notre prédication et par notre pastorale, nous ne parvenons plus à entrer par la voie ordinaire, cherchons à ouvrir des espaces différents, expérimentons d'autres voies. Et là, je fais une parenthèse. La prédication. Quelqu'un m'a dit que dans Evangelii Gaudium, je me suis arrêté trop longtemps sur l'homélie. Parce qu'un des problèmes de cette époque, c'est... Alors c'est vrai que l'homélie n'est pas un sacrement, mais c'est quand même sacramentel. Ce n'est pas comme une prédication de carême, c'est autre chose. C'est dans le cœur de l'Eucharistie. Et pensons aux fidèles qui doivent parfois entendre des homélies de 40 ou 50 minutes sur des thèmes qu'ils ne comprennent pas,
qui ne les touche pas. S'il vous plaît, prêtres et évêques, pensez-y bien. Bien préparer l'homélie. Comment faire en sorte qu'elle entre en contact avec les gens et qu'elle prenne son inspiration du texte biblique. Une homélie, habituellement, ne doit pas aller au-delà de 10 minutes. Parce que après 8 minutes, les gens perdent l'attention. À moins que ce soit vraiment très intéressant. Mais le temps devrait être 10, 15 minutes maximum, mais pas plus. Un professeur d'homélie que j'ai eu disait qu'une homélie doit avoir une cohérence interne. Une idée, une image et une affection. Et les gens comme ça, ils ont en tête une idée, une image et quelque chose qui se met en mouvement dans leur cœur. C'est comme ça que Jésus prêchait. Il parlait des oiseaux, de ceci, de cela, avec des choses concrètes que les gens comprenaient. Excusez-moi, si je reviens là-dessus, c'est parce que ça me préoccupe. Peut-être. Je me permets. Je me permets de signaler que les applaudissements sont partis des sœurs qui sont les victimes de nos homélies. Voilà le pape qui s'amuse un petit peu de la situation. Alors, le pape revient dans son texte. Cyril et Méthode l'ont fait et nous disent ceci. L'évangile ne peut pas croître s'il n'est pas enraciné dans la culture d'un peuple, c'est-à-dire dans ses symboles, dans ses interrogations, dans ses paroles, dans sa manière d'être. Les deux frères ont été beaucoup gênés et persécutés, vous le savez. Ils étaient accusés d'hérésie, parce qu'ils avaient osé traduire la langue de la foi. Voilà l'idéologie qui naît de la tentation d'uniformiser. L'évangélisation est un processus d'inculturation. Elle est une semence féconde de nouveauté, la nouveauté de l'esprit qui renouvelle toute chose. Un paysan sème dans la terre. Ensuite, il rentre chez lui. Il ne se baisse pas tout le temps pour voir si ça pousse. C'est Dieu qui donne la croissance. Il ne faut pas trop contrôler ce sens de la vie pour que la vie croisse. Il faut bien semer et cultiver comme des pères, ça oui. Mais pas gratter ou chipoter à voir comment ça pousse tous les jours. Si on fait ça, on tue la plante. Il faut laisser croître, laisser pousser. Donc liberté, créativité et enfin le dialogue. Une église qui forme à la liberté intérieure et responsable, qui sait être créative en s'immergeant dans l'histoire et dans la culture, est aussi une église qui sait dialoguer avec le monde, avec ceux qui confessent le Christ sans être des nôtres, avec ceux qui vivent la fatigue d'une recherche religieuse, et même avec ceux qui ne croient pas. Dialogue con tutti.
il s'agit de dialoguer avec tous et non pas d'être sélectif. Il faut parler avec ceux qui croient et avec ceux qui ne croient pas, parler avec tout le monde. C'est une église qui, à l'exemple de Cyril et de Méthode, unit et maintient ensemble l'Orient et l'Occident, des traditions et des sensibilités différentes. Une communauté qui, en annonçant l'évangile de l'amour, fait germer la communion, l'amitié et le dialogue entre les croyants, entre les différentes confessions chrétiennes et entre les peuples. L'unité, la communion et le dialogue sont toujours fragiles, spécialement quand il y a derrière une histoire de souffrance qui a laissé des cicatrices. Le souvenir des blessures peut entraîner le ressentiment, la méfiance et même le mépris, en invitant à élever des barrières devant ceux qui sont différents de nous. Mais les blessures peuvent être des brèches, des ouvertures qui, en imitant les plaies du Seigneur, font passer la miséricorde de Dieu, sa grâce qui change la vie et nous transforme en artisans de paix et de réconciliation. Je sais que vous avez un beau proverbe. À qui te jette une pierre, toi donne un pain. Ceci, c'est très inspirant, c'est très évangélique. C'est l'invitation de Jésus à briser le cercle vicieux et destructeur de la violence en présentant l'autre joue à ceux qui nous frappent pour vaincre le mal par le bien. Je suis frappé par un détail de l'histoire du cardinal Corec. C'était un cardinal jésuite persécuté par le régime, emprisonné et obligé à travailler durement jusqu'à ce qu'il tombe malade. Imprigionato, costretto a lavorare duramente finché si ammalò. Quand il est venu à Rome pour le jubilé de l'an 2000, il est allé dans les catacombes et a allumé un luminaire pour ses persécuteurs, en invoquant pour eux la miséricorde. Voilà l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Il grandit dans la vie et dans l'histoire à travers l'amour humble et patient. Chers amis, je rends grâce à Dieu d'être parmi vous et je vous remercie de tout cœur pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes et pour ce que vous ferez en vous inspirant, en vous inspirant de cette homélie qui est un peu une semence que je sème. Je vous souhaite de continuer votre chemin dans la liberté de l'Évangile, dans la créativité de la foi et dans le dialogue jaillissant de la miséricorde de Dieu qui nous a rendus frères et sœurs et nous appelle à être artisans de paix et de concorde. Je vous bénis de tout cœur. Et s'il vous plaît, priez pour moi. Merci. Voilà donc pour cette longue intervention du pape François qui est sortie de son texte à de nombreuses reprises, comme il aime le faire lors de ses interventions devant les prêtres et religieux des pays qu'il visite, où il aime avoir une parole spontanée pour enrichir et stimuler la réflexion de tous. Voilà, le pape va maintenant adresser sa bénédiction aux participants. Padre, Figlio, Spirito Santo. Voilà donc pour cette rencontre très informelle et fraternelle, hein, qui n'était pas un temps à proprement parler liturgique, mais un temps d'enseignement et de rencontre. Le pape donc qui s'est exprimé donc devant
les évêques de Slovaquie et quelques évêques également venus de l'extérieur. On a vu notamment le cardinal Ulrich, président de la Comécé, archevêque de Luxembourg, ainsi que l'évêque de Reykjavik en Islande, qui est un capucin de nationalité slovaque. Le pape donc qui a développé une longue réflexion articulée en trois mots: liberté, créativité, dialogue. Le pape a supplié vraiment les acteurs de l'Église de Slovaquie de refuser toute crispation, toute emprise, toute oppression sur la liberté, notamment dans la façon de s'adresser aux jeunes. Le pape a insisté sur le respect dû à chaque personne et sur le fait que jamais la foi ne doit être transmise de façon forcée. Le pape salue les évêques de Slovaquie. Il y a une double présence catholique en Slovaquie, avec à la fois les évêques de rite latin et les évêques de rite grec catholique. Et demain, mardi, c'est dans le rite de Saint Jean Chrysostome, donc le rite byzantin, le rite grec catholique, que le pape célébrera la divine liturgie. Ouais, nous voyons donc le pape qui salue les évêques présents. Voilà le Saint-Père qui échange quelques mots avec son confrère jésuite, hein, le cardinal Ulrich, qui est là non pas en tant que Slovaque, mais en tant que représentant d'une certaine façon l'inscription de la Slovaquie dans l'Union européenne. Cardinal Ulrich, donc archevêque de Luxembourg et président de la Comécé, la commission des épiscopats de la communauté européenne. Je reviens en quelques mots sur l'intervention du pape, donc à l'instant, qui a évoqué l'importance de cultiver une relation de liberté avec Dieu. N'ayez pas peur de former les personnes à une relation mûre et libre avec Dieu. Le pape l'a répété, l'Église du Christ ne veut pas dominer les consciences ni occuper les espaces, mais elle veut être une fontaine d'espérance dans la vie des personnes. Le pape a souligné qu'en Slovaquie, beaucoup de choses se sont transformées ces dernières années, avec des processus démocratiques qui ont fait de ce pays en quelque sorte un exemple de paix au sein du continent européen. Et le pape a donc invité les prêtres et évêques à être respectueux de cet esprit de liberté. Que personne ne se sente écrasé, que chacun puisse découvrir la liberté de l'Évangile en entrant graduellement dans la relation avec Dieu, avec la confiance de celui qui sait que devant lui, il peut porter son histoire et ses blessures sans peur et sans faux-semblant, sans se soucier de défendre sa propre image, que l'annonce de l'Évangile soit libératrice, jamais écrasante, et que l'Église soit signe de liberté et d'accueil. Le pape a évoqué naturellement le passé de persécution vécu par cette église slovaque jusqu'à une histoire relativement récente, puisque dans cette cathédrale, même aujourd'hui, des témoins directs de cette période sont présents. L'église écrasée par le nazisme et ensuite par le communisme. Le pape a évoqué la mémoire du cardinal Koretsch, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, en 2015, un cardinal qui avait été l'un des plus, même le plus jeune évêque du monde, ordonné clandestinement à l'époque de Pie XII en 1951, à seulement 27 ans. Donc un jeune prêtre jésuite devenu évêque qui avait été condamné à la prison et à une vie de pauvreté. Le pape a rappelé que le cardinal Koretsch avait été emprisonné et obligé à un travail humiliant de balayeur.
et il n'en a tiré aucune animosité. Quand il est venu à Rome pour le jubilé de l'an 2000, il est allé dans les catacombes et a allumé un luminaire pour ses persécuteurs en invoquant pour eux la miséricorde. Le pape a donc souligné que c'était un exemple de l'évangile qui grandit dans la vie et dans l'histoire à travers l'amour humble et patient. Voilà, le pape continue à saluer les évêques. On a pu reconnaître notamment Monseigneur Tenser, donc je vous disais, un évêque missionnaire dans une terre très lointaine, l'Islande, l'évêque de Reykjavik, qui est donc de nationalité slovaque et qui s'est associé à cette rencontre. Il est lui aussi naturellement un fils, un enfant de cette église de Slovaquie. Voilà, donc le pape vient de prendre une photo de groupe avec ses frères évêques, les évêques de Slovaquie, dans une atmosphère de grande émotion et de grande chaleur, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cette retransmission. Prochain rendez-vous pour le pape François, prochaine émission cet après-midi, où le pape se rendra à la rencontre de la communauté juive de Slovaquie. Merci beaucoup de votre écoute. Le voyage du pape donc se poursuit, je vous rappelle, jusqu'à mercredi dans ce pays d'Europe centrale qui est le 54e pays visité depuis le début de son pontificat. Bonne journée à toutes et à tous. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.